je vous aime. Les yeux le prouvent mieux que tout l'amour qu'on dit. Je voudrais être roi pour t'offrir mon diadème. Le chiffon n'est pas tant ma robe d'engourdi. Je voudrais cependant vous donner quelque chose. Donnez-moi votre cœur, c'est le plus bel cœur. Mais je ne peux donner que ce dont je dispose. Ce dont je dispose ici, ce sont mes trains. Tenez à votre guise, mon amour enverra. Trois trains de marchandises, où cela vous plaira. Oh non, pas de bêtises, qu'allez-vous faire? Où désirez-vous? Mon Dieu, qu'il est fou. Que je les envoie. Que j'aime sa voix. Dirigez ma main. Taquez les gamins. Vous avez le choix. Il fait ça pour moi. Ça vous amuse-t-il? Ah, qu'il est gentil. Qu'ils arrivent tous trois. Ah, qu'il est adroit. Ou sur la voie 1. C'est un peu commun. Ou sur la voie 2. Ça, c'est beaucoup mieux. Quand on s'aimait bien, on s'en faisait rien. Le 122, le 43, le 207 sont en miettes. Merci, merci beaucoup, Fouladou. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Mais ceci n'est encore, hélas, qu'un faible gage. Je viens de ressentir la plus douce émotion. Que sont pour mon amour 20 fourgons à bagages? Ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'intention. Que rêve pour vous de folles tentatives? Moi, je vous en supplie, assez de tentations. Je viens mettre à vos pieds mes fins locomotives, avec tout leur tendre et leur 120 wagons. Suivant vos directives, mon amour enverra mes 20 locomotives, où bon vous semblera. Jamais, quoi qu'il arrive, je n'oublierai. Où désirez-vous? Mon Dieu, qu'il est fou. Que je les envoie. Que j'aime sa voix. Dirigez ma main. À qui les gamins? Vous avez le choix. Il fait ça pour moi. Ça vous amuse-t-il? À qui les gentils? Qu'ils arrivent tous trois. À qui les adorants? Ou sur la voie 1. C'est un peu commun. Ou sur la voie 2. Ça, c'est beaucoup mieux. Permettez-vous, ce chef de gare est un que je les envoie. Il envoie les trains, dirigez ma main. Vous avez le choix, on peut dire qu'il est. Ça vous amuse-t-il? Regardez comme ils qu'ils arrivent tous trois. Ils sont charmants. Ou sur la voie 1. C'est un peu commun. Ou sur la voie 2. Ça, c'est beaucoup mieux. Quand on s'aime bien, on se fait rien. Et c'est en faisant tout simplement dérailler quelques wagons et en subtilisant discrètement la luxueuse marchandise pour l'offrir à sa douce et tendre Marguerite qu'André prouve tout l'amour qu'il a pour sa belle Dulcinée. Mais le mérite de ce déraillement n'en revient pas seulement à André, car sans Fouladou, rien n'aurait été possible. Fouladou est l'aiguilleur de la gare de Guétari. Il dirige les trains vers leur destinée. Fouladou aime passionnément Madame Griveaux, mais son physique, peu avantageux et son âge avancé, le rendent invisible aux yeux de celle qu'il aime, le plongeant ainsi dans un profond désespoir. C'est alors que des hurlements se font entendre. Marthe Griveaux, entourée de passagers ivres de rage, traumatisée par la violence de l'accident, demande avec insistance à André les causes de ce regrettable déraillement. André Fouladou parle de vaches folles et incontrôlables, se jetant-elles des furies sur les voies.
Madame Griveaux, devant ses explications plus qu'invraisemblables, n'a d'autre choix que de renvoyer André, car dans un mois, elle doit se rendre à Paris pour une promotion. Promotion obtenue car ici, il n'y a jamais eu un seul accident depuis qu'elle y est garde-barrière. Rien ne se mettra entre elle et cette promotion. Rien, et certainement pas ce petit abruti sans fortune qui met sa gare à feu et à sang et qui tourmente le pauvre petit cœur de sa chère nièce.